Qu'est-ce qu'elle dit, Kétis? Hein? Bon, qu'est-ce que t'as appris déjà dans ton texte? J'ai de la grosse information. Parce que aujourd'hui, on va jouer à Halo. Ah, mais attends, mais t'as même pas dit bonjour, t'as rien fait, toi. C'est parti! Salut tout le monde! Bonjour à tous! Mais tu te tapes des barres tout seul, tu te rends compte? Ouais, aujourd'hui, attendez. Aujourd'hui, on joue à Halo 5. Et on a de la méga info à vous donner. Absolument. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, moi pendant ce temps-là, je lance en mode arène. Arène en équipe, puisque c'est le mode de jeu qu'il faudra faire pour faire de la compétition sur Halo. Oh là là, mais sans transition, parce qu'en ce moment, c'est la compétition, c'est le Halo Championships. Et absolument, en France, oui. Méga tournoi. Bah, méga tournoi avec 30 000 euros à gagner quand même. 30 000 euros. La petite info sympa. Alors là, c'est quand même la fête, là, 30 000 euros. Ah bah oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces 30 000 euros? Bah, il faut jouer à Halo. Déjà. Pour commencer. Temps. Se trouver des copains si on n'en a pas. Se trouver des copains si on n'en a pas. Oui. En fait, on va sur Twitter et on tweet avec le hashtag Matimalo. Et ta team Halo. Avec hashtag Matimalo et on se trouve une team Halo. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si ta team a un problème? Elle tombe Halo. Écoutez, ça fait 15 fois qu'on répète cette vanne, alors j'espère qu'elle va passer agréablement dans vos oreilles émerveillées. Très bien. Ah, c'est parti donc. Et c'est pas fini parce que ceux qui gagnent le championship, ils peuvent gagner des places pour être qualifiés pour le World Championships. Et là, c'est plus de 30 000 euros à gagner. C'est plus d'un million à gagner. Un million! Oh là là. Alors c'est parti pour la petite arène. J'ai fait mon premier kill déjà, hein. Tranquillou, je t'attends pas. T'as ouvert la séance là? Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est très bon ça. Ah, Pascal, alors faut quand même préciser un petit truc. C'est oui. Le stagiaire qui me fait signe à l'oreillette. Il te fait signe à l'oreillette? Parce alors... qu'aujourd'hui, on joue avec quoi? On joue avec une manette Elite. Donc on triche un petit peu. On triche carrément quoi. Bah ouais, parce que c'est trop stylé. Alors là, le truc quand même. Une palette et tout. Regarde, je peux te rien. Là, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est aimant quoi. Genre tu. Ouais. Ceci. Et comment je joue après en fait? Et le X de Xbox. Ça et passe ou pas? Et comment je joue après? Si tu m'enlèves les touches. Et encore ça, tu m'as pas enlevé le joystick, tu sais. T'imagines? Ah, ça serait. Non, ce serait pas marrant. Non. Défi accepté. Non, c'est allez. Ne... Non. Bon. Jouer sans joystick. Jouer sans joystick. Je te donne mon joystick. Allez, ça marche. Bon. Oh, on peut quand même. Ah, c'est horrible. Regarde. Mais on peut quand même. Là, c'est une excuse. Comme quoi, pour tout vous. Est possible. Tout est possible avec la manette Elite. Oui. Je te rends ton joystick. Merci bien. Là, t'as l'avantage sur les autres, quoi. Avec un joystick? Ouais. Bah, disons que ça aide. Moi, je récupère la base. Mais récupère la base. Puisque dans le mode arène, le mode de compétition, donc, c'est. Il y a plusieurs modes. Il y a capture de drapeau, il y a les zones, il y a tout plein de trucs. Est-ce que tu penses, par exemple, toi, admettons, t'es chez toi, tranquille, tu te dis, tiens, je veux participer, est-ce que t'as une chance quand même? Bah oui, merci, j'ai une chance quand même. Ça veut dire quoi, ça? Comment ça, j'aurais pas de chance? Parce que toi, tu peux sauver les trois autres. Je veux dire, tu peux relancer les scores. Ah mais non, mais il faut que tout le monde soit bon pour faire une compète quand même. Par exemple, bien, on se fait une équipe. Non, par exemple. Et pourquoi? Bah, je viens de te le dire. Faut que les gens soient bons. Alors, est-ce que tu nous fais de la zone de combat? Mais volontiers. Tu sais ce que c'est, la zone de combat? J'en ai un tout petit aperçu. Surtout le moment où j'ai pris un coup de comment ça s'appelle? Avec le tank, là. Bam! Je me un suis coup fait cracher, de roquette exactement. Ouais, un coup avec le tank, là, tu sais, bam. Qu'est-ce qui... Ce sont des ennemis en face, hein. Tu feras gaffe, t'as un objectif, le générateur. Générateur, vite. Oui, alors je te conseille de suivre tes copains. Copains, allez-y, je vous couvre la... Non, ils te couvrent, en fait, hein, le principe. Voilà, ce sont des ennemis. Ah oui. Il y en a un autre, il y en a un autre. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est la guerre. Ils ont bourriné. Je sais même pas si t'as touché un... Est-ce que j'ai touché quelqu'un? Ouais. À part ton pote. Je pense que ton pote, par contre, il a pris bien cher. Vas-y, envoie la greue. La greue? La greue? Ouais. La greue. Et dès que t'es proche, faut faire le coup de crosse. Oh là 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 là. En fait, quand tu recharges... En fait, tu ne recharges pas dans Halo. Faut pas recharger. Non, jamais. Alors, soit tu changes d'arme et tu prends le petit pistolet. Ouais. Petit pistolet qui est bien puissant, en plus. Avec la petite touche ici. Non. Oui. Ici. Ah non, ça fait plus. Non. Là. Sinon, t'appuies sur Y. Ici. Voilà, c'est bon. Y c'est bien aussi. Y c'est bien, c'est oui. Simple. Et donc tu ne recharges jamais. Je ne recharge pas. Parce que ça prend deux plombs. Exactement. Et dès que t'es au corps à corps, coup de crosse parce que ça fait bien mal. Ceci est une voiture ennemie. Ah mince, je crois que c'était des potes. Il y en a partout. Oh là là. Il y en a partout. Je veux la voiture. Non mais elle est KO là. Oh non. Pas de problème. Oh, fais gaffe. Bon, Kitis.
avec mon score absolument exceptionnel de 0-0 et était en train de te faire killer là. Quand je me cache sous l'escalier. Rien devant un bon escalier pour rester à couvert. Je te laisse. Non, j'ai plus sur les touches. Oui. La manette. Ok. Fais-moi du kill. On va essayer. On va essayer de remonter ça là. Et si alors, tu arrives à faire un kill à la crosse, je t'offre un cadeau. Je te dois combien de cadeaux déjà depuis le début? Bah, tu m'en dois 3 déjà. Ouais. On commencera les fêtes, les problèmes aux fêtes. Les cadeaux fêtes. Je sais très bien ce que je veux dire. Oui, nous on voit mal hein, par contre. Ouh oh là 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 là. Sabra, je l'ai vu dans le... Qu'est-ce qu'il fait là? Il a fait ce que j'ai cru voir. Écoutez. Oh là là, mais c'est atroce. Écoutez, si vous aussi vous faites ça sur on un on s'en sort vraiment pas bien. Arrêtez, c'est pas la peine. Niveau fusée là. J'ai fait un kill. C'est C'était le premier kill. Pourquoi tu fais des effets un petit peu bizarres? Je sais pas, aujourd'hui je suis en mode effet spécial. Allez. Ah. Alors, paquetage. Modification. Arme lourde. Ah bah c'est là où le gars il a pris l'épée là. Tu sais quoi, je pense que je vais prendre le Needlers. Ah bon? Juste parce que c'est mon arme favorite. Moi je me suis toujours dit que c'était la tête d'un gars cette arme qu'on avait arrachée et que du coup on tirait avec les cheveux. Ça marche ou pas comme théorie? Non. Vite. Santé. À tes souhaits. Vous savez qu'on est poli? Dès que le stagiaire éternue. On est toujours là pour dire... Ashtoumf. Tire-lui dessus. Voilà. Oh, bah, ouais. Elle est où la vie du vaisseau, là? Ah bah voilà. Elle était là. Juste... là. Les airs. Et ça vole. Bon déjà, j'ai fait des frags au moins. 5. Mix les trucs. Oula. Ouh là là. I believe I can fly. Hey, j'ai fait une petite étoile, une roue et tout. Ah bah voilà, voilà. Je prends le railgun là, j'étais à fond. C'est ta faute. Il y a une équipe qui est au-dessus là, je crois. Moi je vais me tenter, je crois, ce soir le championships. C'est vrai? Ouais, 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 je vais essayer. Tu vas utiliser le hashtag MattyMalo pour trouver des copains? Ah oui, alors parce que je parce n'ai que pas seul. 3 copains qui jouent à l'eau. Si vous voyez son tweet, surtout ne lui répondez pas. Vous ne voulez pas être dans son équipe. Je ne vous garantis pas qu'on va gagner, je vous garantis qu'on va rigoler. Donc voici la campagne de promotion de Clément qui va créer son équipe. Il va donc jouer une partie en mode arène. Dans les conditions un petit peu réelles, quoi. Dans des conditions à la fois extrêmes et réalistes. Sachez que ce qui va se passer dans quelques secondes... Mince. Non, on ne quitte pas. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors écoutez-moi bien. Voyez cette bataille qui va surgir comme une présentation à la fois honorable et juste de mes performances sur elle. Maintenant, vas-y. Bourrine, bourrine. Allez. Oui. J'ai eu. Oh là là. Par contre, je ne serai pas toujours là avec lui, hein. Donc... Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Écoutez, mais là, c'est... C'est la folie, quoi! Bon bah continue sur ta lancée, vas-y! Oh là! Vas-y, vas-y! Il a loupé son coup de crosse, il t'a lancé une grenade, vas-y! Oui! Oh là là! Il y en a un autre qui... Derrière toi, maintenant! Ah là là! Il est arrivé vite! Il y en a un à ta gauche aussi, un à ta gauche! C'est vrai. À gauche, laquelle gauche? Ouais, là-bas! Oui! Hop, voilà, là, vas-y! Bon, il est de dos, hein! J'ai cru qu'il allait se retourner et te tuer. Moi aussi, j'ai peur. Là, ça aurait été triste. Ça aurait été vraiment la loose attitude. J'ai confiance en mes forces et mes faiblesses. Le cross. Ah, j'y pense jamais au cross. La cross. T'es passé à gauche, derrière toi. Ah, ouais. T'as pire. Ouh là là. Alors là, sanction définitive. Hein. La grenade. Là. Allez, bourrine là, mais tire à la fin. J'étais sur une autre. Oh, j'ai tiré la grenade. Il y a le même, au même endroit. Il rush. Allez. Ah, à droite, fais gaffe. La crosse. Yes. Derrière toi, fais gaffe. Ah, j'ai pas compris. Bah, c'est honorable. 4-9. J'en ai tué 6. 6. Ouais, 6-9. Je suis deuxième. Et tu fais 4 assists. Ah oui, c'est vrai que je me dis à chaque fois le voilà. Coup. Ils sont de dos. Bah, ils ont pris l'avantage quand même, hein, les rouges. Hein. Oui. Quand même 37, c'est une bonne température. Donc 38, ça chauffe. J'espère qu'on va pas la garder cette blague. Bah j'espère pas. Là j'ai peur. Faut aller à 50. Ouais, si, les stagiaires sont comme ça, ils la valident. Allez, shoot-le là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, remets du boost là, allez, on se motive, tout ça. Oh non, le coup de crosse. Oh. Ah, dommage. Et ouais, malheureusement t'as cassé que le bouclier avec la crosse. Headshot dans la tête. Bah en fait, headshot ça peut pas tellement être ou pas. Parce que mais après comme tu veux.
Ouh là là, le coup de crosse qui t'a enlevé tout ton bouclier. Ah, je voulais lui mettre un coup de crosse en réponse, mais... Ouais, mais en fait, quand tu fais ça dans le vide, genre... C'est la danse. Fais gaffe, à gauche, à gauche. À gauche, ma gauche. Ah, défaite. À gauche, bah oui, ta gauche. La gauche de qui? Je parle pas à ton voisin. Il manque la plus que ça, tiens. Donc voilà, c'était la promotion de Clément. J'ai transpiré, hein. Cette frague, bon, c'est pas mal honnête. Mais c'est pas mal, tu m'as étonné. On ira peut-être pas à Los Angeles, mais bon, on rigolera bien. Mm. Bon, en tout cas, on a bien rigolé, hein. Oui, et vous pouvez vous inscrire au XES 2016. Ouais. Et si vous n'avez... Ah oui, attendez, j'ai les infos. Si vous n'avez pas suffisamment de gens que vous connaissez qui jouent à l'eau, vous utilisez le hashtag Timalo pour en trouver. Matimalo. Matimalo. Le gars ne suit rien. De toute façon, ça va être affiché en bas. Hashtag Matimalo. Et voilà, 30 000 euros à gagner. Oui. Et voilà. Et une qualif pour les World Championships. C'est beau, ça. Oui. À bientôt. À bientôt.